بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى دو ساكل كي بيسكينو في انتانديك يا الله سبحانه وتعالى فنجي وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة. Et la différence, frère en islam, entre faire salat et appliquer salat. Faire salat suffit quand djibun ni djibun faire salat, qui veut dire les débouter, les faire des rakat au minimum. Ça c'est faire salat. Qui veut dire faire salat, l'emphase c'est que les fins font l'action. L'action de la salat. Sauf que quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa aqimu salah, wa aqimu salah les plus en détail l'application salat. Dans le Coran, Allah pardonne nous l'autre pour faire salat. Dans le Coran, Allah pardonne nous l'autre pour appliquer salat. Qui différencie un frère en islam entre faire salat et appliquer salat? Qui veut dire, si un djiboun lit seulement faire salat, il n'est pas obéi à Allah. Si un djiboun lit seulement faire salat, il fait l'action de la salat. Il fait debouter, il fait faire ruku, il fait faire sijda, il fait faire salam, il n'est pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui obéit à Allah, c'est celui qui n'applique salat. Alors, applique salat veut dire nous obéir à Allah concernant la salat en respectant certaines bonnes conditions. Qui veut dire sa salat là, les besoins satisfaire certaines bonnes conditions pour y être considéré comme application salat. Tout d'abord, numéro un, Njimon, les besoins satisfaire conditions avant faire salat. Les besoins satisfaire conditions avant qu'il y fasse salat. Ne pas rentrer dans salat comme nous nous envie. Et n'a pas de condition qui nous besoin satisfaire avant qu'il nous fasse salat. Alors, un musulman, les besoins veiller à ce que sa bonne condition, juste avant salat, finisse respectée. Parmi sa bonne condition, numéro un, c'est tahara. Tahara, qui veut dire, djibon, n'y pas faire salat comme sur les était. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fin décidé la yaqbalu salatan la yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tahur. Allah n'a pas accepté une salat sans purification. Qui veut dire qu'il y a un djimon les bisins fait roussel, les bisins dans l'état de roussel et ensuite les bisins dans l'état de wudu. S'il n'est pas capable de faire wudu, les bisins au moins tayammum. Qui veut dire une salat sans roussel, pas compté. Un salat qu'un djimoun fait sans wazou, pas compté. Et un djimoun qui, s'il n'est pas capable de faire wazou, s'il n'est pas capable de faire tayammum, ce salat, pas compté. Donc, ça, c'est la première condition qui réunit avant qu'un djimoun considère qu'il y fait une applique salat. Deuxième condition, les besoins, il y a sitru l'aura. Les besoins, une couvée sur l'aura. Un zoom sur aura minimum, c'est depuis ce nombril jusqu'à ce zénon. Mais seulement ça, quand on dit minimum, qui veut dire qu'il n'a pas gagné droit à faire salat dans sa condition. Fais attention. Il y en a beaucoup de monde qui dit aura dans namaz, veut dire depuis mon nombril jusqu'à mon zénon. Ça veut dire dans mon lakaz, mon dieu prend ses vies, ma tasse, depuis mon nombril jusqu'à mon zénon, mon dieu Allah Akbar, mon namaz n'a pas compté. Ça, c'est le strict minimum quand Djimoun peut être à l'aise.
le strict minimum quand tu veux à l'aise. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pays n'a pas fait aucun namaz qui l'on dit sur les épaules pénanonies, les épaules découvertes. Qui veut dire une aura, dans le strict minimum de situation plus extrême, mais sinon, un djibun bise couvert sur les épaules quand il peut faire salat. Qui veut dire couvert sur les épaules? Qui veut dire qu'il met un kit chose, le lit, un rida, une toile, un t-shirt, une chemise, un thob. Alors, donc, besoin de couvrir les corps pour faire salat. Donc, un zom, les couvrir sur les corps jusqu'à ce genou. Un madame, ce haoura, dans salat, c'est sur les corps en entier, excepté sur le visage et sur la main. Un madame, mais il n'a pas couvert ce visage quand il peut faire salat. Sauf en public, si une madame met parda, il y a beaucoup de passants, aller et venir, ban djibun, ban zom. Alors, il est capable de couvrir ce visage, mais dans la case, il n'a pas gagné droit de couvrir ce visage quand il peut faire salat devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sur les coups en entier, il est couvert, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al mar'atu awra, une madame en lui-même, c'est un awra. Une madame en lui-même, c'est une partie privée. Alors, à l'exception, comme Ibn Abbas radiallahu anhu dit, à l'exception du visage et ce poignet. Les gains droits découvrir ça dès là. Divergence, ban ulama, l'eau la question, les pieds. Veut dire, nous plat les pieds, nous les pieds jusqu'aux chevilles. Prendre les pieds en bas, nous monter jusqu'aux chevilles. Est-ce qu'une madame bien couvrir ça pendant la salat? Pour mazhab Hanafi, non. Mazhab Hanafi, il n'y a pas une condition. Qui veut dire, si une madame, une met sur djilbab, une couvert sur les cou en entier, ce visage découvert, ce poignet découvert, et sur les pieds découverts jusqu'au cheville, il n'y a pas un problème dans Mazhab Hanafi. Mais dans Mazhab, les autres ban ulama, Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Malik, etc., une madame est obligée de couvrir sur les pieds. Parce que le hadith qui finit dire al mar'atu awra, une madame complètement, c'est une partie privée. Sa exception visage et la main, c'est Abdullah bin Abbas, qui est l'icône. Il y a un savant parmi les Sahaba, il finit montrer sa exception. Alors, il n'y a aucune exception de hadith concernant les pieds. Donc, une madame, les bisins couverts sur les pieds tant qu'il est capable. Soit les couverts sur les pieds, ils mettent une chaussette, soit ils mettent une longue chose qui traînait, soit ils mettent une longue djilbab qui traînait, comme ça, ils font salat dans conditions qui bisin. Et là, en passant, frère en islam, bonne madame gagne beaucoup de difficultés à chaque fois pour mettre un djilbab, pour faire namaz, à chaque fois, veut dire, pour bisin habiller, il gagne des difficultés. Alors parfois, sa difficulté-là vient une raison pour faire négligence. Il n'y a que mettre une linge sur les pieds découverts. Normalement, dans un pays islamique, il y a une linge spéciale pour madame faire salat. Ce qu'a aujourd'hui, presque pas trouvé même dans l'île Maurice, il y a une linge spéciale qui madame là, elle peut couiller sur manger, ou bien elle peut laver linge. Elle peut pour faire rien, quand arrive namaz, elle glisse ça au lit. Ça, elle a un uniforme. La dame, elle a son djilbab, la dame, elle a son hijab, la dame, elle a son lastique qui coince sur la main, c'est sur le poignet pareil, et lui traîner jusqu'en bas. Il n'y a pas besoin de ça, il finit, veut dire respecter les conditions salat. Alors, très important, qui veut dire, nous essayons de ça pour nous, madame, est facile, l'iniquité à pendant, il n'y a pas besoin de récendre ce linge, il n'y a pas besoin de récendre ta clif, besoin de tirer linge, besoin de rouler dans l'autre linge, besoin de rouler tous, par contre, il y a tous été, il y a une difficulté. Alors, un seul coup, il n'y a pas de ça, linge là, l'oli, sa zone de djilbab complète depuis son hijab, fini, coude ensemble. Alors ça, c'est une façon pour qui sa madame lui respecte son awra, condition de salat. Donc, premier, taharat. Deuxième condition, c'est que nous avons besoin de couvrir nos corps, comment nous entendons, pour les hommes et pour les madames. Troisième, frère en islam, concernant istiqbal al-qibla. Nous avons besoin de faire salat direction qibla. Un djimoun, quand il fait salat, dans Namaz Faraz, il y a une condition qui nous oblige à faire face à cette Qibla dans toute situation, sauf si il y a des hommes volonté. Ça veut dire que je ne vais pas venir me faire sur la direction qui m'envie. Si je vais faire ça cinq fois sur la Faraz, Fajr, Zohar, Asar, Maghrib, Isha, je vais besoin respecter la direction Qibla. Il y a quelque chose qui est en des hommes volonté, je vais d'avion.
Modan Moloan bateau, modan monture, l'autre dans train, pour une bonne direction, sens direction. Alors moi, comme on peut faire salat, au moins, mon vieux direction Qibla, mon fait takbir. Ensuite, là, m'assiser ou bien me débouter, quand y aller, il n'est pas dans mon contrôle. Mais condition Qibla, c'est une condition nécessaire, sinon salat, il n'a pas compté. Donc, nous besoin respecter sa bonne condition avant qu'il nous fasse salat. Très important, quatrième condition, qui est namaz faraz, faire debout. Namaz faraz, faire debout. Namaz nafil, permissible, faire assisé. Mais sauf que, quand nous faisons salat assisé, nous récompense les diminués 50%. Sauf pour Banjimoun, qui est une excuse valable, ni malade, et dans une difficulté, la santé, ou bien il n'est pas capable de débouter, ça peut être un problème. Mais si Banjimoun, sur la santé, bon, il est capable de débouter, il fait salat assisé concernant le nafil, sa récompense est diminuée par la moitié. Si tu gagnes 100, il gagne 50. Mais quand il s'agit de salat faraz, un djimoun si il a capacité pour débouter, il n'a pas gagné droit à assiser. Ça, c'est condition. Salat faraz, si je suis capable de débouter, je n'ai aucune contrainte pour débouter, je suis assisé, mon salat n'a pas compté. Ce qui veut dire un djimoun, il a pris précaution. Quand le problème vient, beaucoup de musulmans je mal comprennent. Quand un djimoun se pousse fait mal, ou bien se les doigts coupés, ou trop les prennent 16 et assisés. Il n'est pas bon là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fattakullaha mastata'tum. Et dans la crainte, reste dans la limite Allah, quantité qui est capable. Qui veut dire que pas toute situation, comment la tête fait mal, comment les pieds fait mal, comment les doigts, les pieds fait mal, comment la main cassée, mon est assisé. Il y a des gens qui ont une plaque de solamé ou qui ont une relation entre débout et solamé là? Ce solat n'a pas compté. Qui veut dire, si un djimoun, solamé est cassé, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, après qu'il y ait un sa verset, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Idha amartukum bi shay'in, comme on ordonne quelque chose, fa'tu minhu mastata'tum. Comme on ordonne quelque chose, faire maximum qu'ils sont capables là-dedans. Faire maximum qu'ils sont capables là-dedans. Qui veut dire, Allah fin ordonne que ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam debout faire salat. Qiyaman. Alors debout faire salat. Si mon lamine cassé dans plaque, qui partit salat qui ne pas capable de faire, c'est sijda. Alors je ne pas faire sijda. Mais ce qui est capable de faire roukou, si je capable de faire roukou, je besoin de faire roukou. Est-ce qu'il est capable de débouter? Je suis obligé de débouter. Parce que je suis me cassé et je n'ai rien à faire pour pas parfaitement pour débouter. Donc, dans la masse faraz, un musulman besoin comprend ça bien. C'est que je n'ai pas assisé pour n'en rien. Je suis assisé quand je ne suis pas capable de débouter. Tant qu'il est capable de débouter, je suis obligé de débouter. Tant qu'il est capable de faire roukou, je suis obligé de faire roukou. Si je ne suis pas capable de faire sisda, qui veut dire que je suis obligé de débouter pendant la situation de débout, et me faire roukou. Sisda, moi, sisé. Si je ne suis pas capable de faire zis roukou, me débouter, je ne pas faire roukou. Je faire roukou avec une position facile, ou bien avec un signe. Si je ne suis pas capable de faire sisda, là, je faire sisda. Ça veut dire, nous prenons excuse, nous prenons facilité, quand je ne suis pas capable de faire l'action. Ce qui veut dire, en résumé, si un djimoun est capable de débouter, il y a un problème qui est capable de fin affecter dans certaines parties soit là. Mais il n'y a pas débouté, il n'y a pas débouté, son namaz pas compté et puis il y a divergence là. Donc, ça c'est une condition qui est très importante avant qu'il nous fasse salat. Deuxième frère en islam, pendant salat, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimus salat. Applique salat. Nous trouvons conditions qui m'ont besoin de respecter avant salat. Deuxième question qui m'ont besoin de respecter, quand il dit applique salat, c'est 5 salat. Si un djimoun fait 4 salats, il peut pas appliquer salat. Il peut faire salat. Il peut faire 4 salats. Mais il ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui peut appliquer salat. Donc, quand Allah peut dire Aqimus salat, applique salat, en d'autres mots, sous-entendu, Allah peut dire nous, faire 5 fois salat. 5 fois salat obligatoire. Allah fait mettre 5 conditions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Mu'adh, qui Mohammed Sam Tchavoili fait dawa avec ban juif. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait akhbiruhum, a informé an Allah qad farada alayhim 5 salawatin fil yawmi wal layla.
informe aux autres qu'Allah fait faraz aux autres 5 salat dans la journée jusqu'au soir. Un bédouin fin vini avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il brutalise le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dis-moi quelque chose qui m'a besoin de faire pour rentrer dans la jannat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, tu fais 5 salat, excepté si tu as envie de faire en plus, mais 5 salat. Qui veut dire, un musulman, il peut n'a choix la donne. Il est obligé de faire 5 salat pour lui venir en règle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, deuxième condition, après qu'il nous fait respecter les conditions avant salat, nous faire 5 fois salat. Troisième condition, nous faire 5 fois salat dans ce lieu qui ne prescrit pas Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat fin prescrit le ban croyant dans ban lieu défini. Défini par qui s'en a? Par Allah. Ce n'est pas moi qui choisis mon lieu salat. Je ne pas choisir mon lieu salat. Même quand on oublie, ce n'est pas moi qui choisis mon lieu salat. Même comme on levait après l'air, ce n'est pas moi qui choisis mon lait salat, c'est Allah. Le croyant n'a aucun choix dans les salat. Nous avons salat les officiels qui Allah fait mettre. Salat Fajr, depuis rentrer Fajr jusqu'à lever du soleil. Salat Zohar, après Zénith, jusqu'à longuer un ombrage, un objet se longuer sur l'ombrage. Un objet, quand l'ombrage là vient longuer l'objet là, les Zohar terminent là. Les Asar rentrés, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à coucher de soleil. Les Maghrib, les rentrés, quand coucher de soleil, jusqu'à couleur rouge dans les ciels disparaître. Et Aïcha rentrée, quand couleur rouge dans les ciels finit disparaître, jusqu'à la moitié la nuit. Qui veut dire, il finit prescrire ça. Dans le Coran et dans le Hadith Bukhari, quand Jibril alayhi salam, tu viens de montrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comment faire salat, dans qui l'air. Simon Blié, encore une fois pareil, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man nama an salatin, celui qui dormit, il fin raten le namaz. Mon dormi, le zohar, mon rat, le asar, il arrive maghrib. Ou bien mon dormi, le asar, mon rat maghrib, il arrive, si pas 5 minutes avant Jamaat Isha. Ou bien mon dormi avant Fajr, mon levé 8h du matin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Man nama an salatin » C'est lui qui dormit. « Ou nasiyaha » Ou bien il oublie. Arrive une panique, un accident, un problème, la guerre. Il oublie. « Léa fajr in ali »« Léa maghrib in ali »« Léa asar in ali » Qu'est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ?« Fal yusalliha idha dhakaraha » Qu'il y fait lui, le premier moment qu'il y rappelle lui, c'est sa même soleil ça. Ce qui veut dire encore une fois qu'il même... Dans ce moment-là, c'est Allah qui dicte nous quand pour faire. Est-ce que je me postpone pour quelques minutes, pour 15 minutes, pour 20 minutes? Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Fal yusalliha idha dhakaraha. Qu'il y fait dès que il rappelle qu'il y fait oublier. Dans ce moment-là, c'est celui à salat. La kafarata lahu illa dhalik. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Pena aucun les autres choix, les autres options, excepté ça. Pena aucun les autres options, excepté ça. Parce qu'Allah fin dit Aqimis salat al dhikri. Allah peut dire, fais salat pour pansement. Qui veut dire, nous devons respecter les salat qui Allah il mettait lui. Un médecin qui veut faire l'opération 6h temps, 7h temps. Quand il finit, qui se les salat qui Allah il mettait pour lui? Comment il finit l'opération? Ça veut dire, si il commence sur l'opération, les zohar, il ne fait pas zohar, il ne fait pas asar, il ne fait pas maghrib. Comment maghrib finit? Sur les zohar, c'est dans sa lia là. Sur les asar, c'est après ça. Sur les maghrib, c'est après ça. Qui s'en a fait officialiser ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous faisons salat avec bonnes conditions réunies avant salat. Nous faisons 5 fois salat, nous faisons de soleil. Quatrième, nous faisons salat comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous. Je ne peux pas faire salat comme moi, mon vie. Il y en a des gens, quand il y a eu, il fait roukou, il fait roukou. Il y a fait roukou 3 corps, il y a fait roukou correct, il y a fait roukou 6 temps, il fait gymnastique, il fait roukou plié en bas. Je ne peux pas faire salat comme mon vie. Je ne peux pas assise comme mon vie. Je ne peux pas lever la main comme mon vie. Il a ralenti, il a fait vite. Nous guettons comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait faire salat. Comment il débouté. Comment il attache sur la main. Comment il fait roukou. Qui ban pose, qui il prend. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire salat comment je trouve moi faire salat. Ça veut dire condition là qui, je besoin guettons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faire comme Ali. C'est pour ça qu'un bédouin, quand il rentre dans la masjid, il finit de dire Assalamu alaikum, ya Rasulallah.
sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallam dit wa alaykum salam, irji' fa salli. Retourne et fais salat. Il fait des rakat, il mini fait salam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit ce salam, il dit allez, refais namaz, tu pas fait namaz. Il allait, il refait namaz, des rakat, il revenait, assalamu alaykum ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallam dit wa alaykum salam, irji' fa salli. Retourne et fais salat, fa innaka lam tu salli. Tu pas fait salat. Il réalise. Il refait des rakats, il revient, salam alaikum ya Rasulallah, wa alaikum salam. Retournez mon jeté, tu pas faire salat. Je dis, ya Rasulallah, on pas connaît. Montrez-moi. Qui veut dire, il fait salat. Qui problème, c'est qu'il pas fait li, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finance. Là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finance sa façon qui est acceptable. Qui veut dire, qui nous besoin faire beaucoup, prendre beaucoup de précautions, c'est que nous besoin assurer. Qui sa kitso qui m'a fait là, sa salat qui m'a fait là, sa ruku qui m'a fait là, sa sijida qui m'a fait là, sa façon de bout là, les cadrer avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En titre d'exemple, comme dit mon pas connu, qui sijida, sous condition pour appeler sijida, il faut dire sept parties l'écho ou une pose en bas. Beaucoup de monde pas connu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Umirtu an asjuda ala sabati a'zum. Moi, fin gai l'autre pour faire sijida, l'autre sept positions, sept les os. Qui veut dire, si un dimoun lui pose 6 les os en bas, il ne peut pas faire 6 da. Trouvez, ça veut dire que nous devons être très vigilants, c'est que nous devons poser dans le salat, nous devons cadrer avec l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, condition avant le salat, deuxième, on fait 5 fois le salat, troisième, on fait dans le soleil, quatrième, on fait pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Cinquième condition pour qui, à la fin, appelle ça dimoun la fin applique le salat, nous devons faire salat en jamaat. Zoom faire salat en jamaat. Zoom faire salat en jamaat. En jamaat, qui veut dire? En jamaat veut dire dans masjid, pas dans centre. Fais attention, ne fais pas faire confusion entre jamaat, c'est un groupe du monde. Mais ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire jamaat, c'est masjid. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire jamaat, c'est masjid. Nous pas quitte masjid, nous fait un petit groupe à côté, nous fait salat, sauf pour ban situation quand mon peine a choix. Mon peine a masjid dans salé là, mon gagne si la case, nous fait un jamaat. Peine a masjid, nous gagne place dans quoi nous fait jamaat. Ou bien sa masjid là, papé les nous rentrer, nous fait un jamaat. Mais nous fait un choix à côté un masjid, ou bien non loin avec un masjid, ou fait une petite équipe, un petit groupe, pas gagne droit ça. Condition c'est hommes faire salat dans masjid. À tel point, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si je suis capable de faire un djimoun remplacement, je vais briller la case, je vais qui peut faire salat dans la case. Condition, je vais masjid. Parce que l'eau là qui me prend mon repère, qui s'en a musulman. Ben, sahaba, je prends ça comme un repère. Ben, djimoun qui vient masjid, je ne vais pas mettre en doute concernant l'iman de sa djimoun. Parce que ça, c'est une preuve que sa djimoun est musulman. Il vient masjid. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mettre beaucoup l'emphase et il y a beaucoup de récompenses quand il y a un masjid. Salatul masjid, salat al-mar'u. Fait le masjid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit namaz en zoom de masjid les 27 fois supérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui fait dire de sa verset qui imam fait dire là Warka'u ma'ar raki'in. Fait ruku parmi ban qui fait ruku. De tafsir, quand on parle de gété, peut dire fait ruku dans masjid. Pour ban zoom, bizin fait namaz dans masjid. Excepté dans certaines circonstances, les malades, ou bien les occupés d'une façon qui est légale. Il y a un problème, sur madame malade, sous enfants, occupe des enfants, ou bien il arrive un problème à la case, les gagnent droit par une masjid, les gagnent droit faire salat dans la case, les fait rite quand ils sortent tout jamaat, puis fini, les gagnent droit faire salat dans la case, l'appli, quand en gros l'appli, il connaît, quand il peut venir dans l'appli, il peut mouiller, il fait salat dans la case, dans un gros divan. Il fait salat dans la case, qui veut dire Allah pas de difficultés. Dans ma situation, vraiment, un djimoun n'est pas capable de masjid. Sur la tête fait mal, les malades, sur madame malade, les enfants malades, ou bien l'appli, ou bien divan, il fait salat sur la case, pas de problème. Mais sinon, les bizins viennent dans la case Allah. Est-ce qu'il y a une madame obligée de venir masjid? Non, une madame pas obligée de venir masjid. Meilleure place pour une madame dans la case. Mais, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin, permet madame venir masjid. Et pas seulement permettre, lui encourager qu'il bande madame vienne masjid, parfois. Pour deux raisons. Une madame lui vienne masjid pour gagner la connaissance. Jumaa, causerie. Lui vienne masjid pour gagner la connaissance. Et une madame lui vienne masjid comme une distraction. Parce que madame aussi, il y a une distraction. Peina ça dans l'islam,
qui God madame rislakal madame pas gain droit ça aussi, c'est un faux raisonnement ça. Allah qui dit wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyah al ula. Pan empêche madame sorti, beaucoup du monde fait ça et rire. Madame une fait pour rislakal, donc il lui ça. Hein? Madame jamais une fait pour rislakal. Madame une fait pour pas sorti pour rien. Ça qui Allah fin dit pas sorti pour rien. Pas al veut dire expose zot l'écho en déo. Votre présence en Dieu sans aucune raison valable. Sinon, si un démon vient de masjid, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, madame qui peut venir de masjid, Aisha radiallahu anha qui peut venir de masjid, et personne ne peut empêcher lui, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, pas empêcher votre madame sortir de masjid, n'a pas empêché. Qui veut dire une madame supposée sortir. Ou bien amène une madame ensemble, ou bien accompagner lui, une zone de distraction dans l'obéissance à Allah. Ou peut trapper sur la main, ou peut venir masjid, ou peut sortir, ou peut rejoindre, ou peut réamener la case. C'est une façon qui, ou madame, sur l'amitié augmentée dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit monde qui peut respecter sa bonne condition, ça dit monde là, il peut faire succès de dunya d'akhirat, pas seulement vis-à-vis Allah, vis-à-vis lui-même, vis-à-vis la société, vis-à-vis sa famille. Et c'est une façon pour donner tarbiyat aux enfants. Quand on peut appliquer sharia dans la vie, il vient un exemple pour madame. Ou madame, trouve-vous sincère. Et quand on est sincère vis-à-vis Allah, il faut trouver, mais s'il est sincère vis-à-vis Allah, il faut sincère vis-à-vis moi. Mais si vous n'êtes pas sincère vis-à-vis Allah, ou madame de Soleil, vous dites, respect Allah et pas respect Allah, il faut respect moi. Il n'est pas sincère vis-à-vis Allah, il faut sincère vis-à-vis moi. Aux enfants aussi, pareil, il faut venir une inspiration pour les enfants qui, quand ils peuvent trouver vous, vraiment ça qui vous peut comprendre, ou lire, ça qui vous entendez, vous peut mettre en pratique, définitivement succès dans sa forme de salat. Quand ça vous dit, faire succès dans la salat. C'est sa salat là qui pour faire nous faire succès l'au dunya et akhirat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.